Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une théorie juste incroyable à vous raconter. Alors c'est une théorie par rapport à Midas, par rapport à la saison 5 et par rapport à cette saison actuelle. Vous allez voir que la théorie est très logique. Et en fait, Fortnite nous ont mis tout devant nos yeux, sauf que personne ne l'avait vu. Avant toute chose la famille, je vous laisse me lâcher le petit like si vous êtes toujours pas abonné. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos théories, je fais des vidéos informations sur Fortnite. N'hésitez pas à rejoindre la meilleure communauté Fortnite. Et surtout, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent me soutenir un maximum, utilisez le code créateur. Nanas, N-A-N-X-2-S. Super important le code créateur, n'hésitez surtout pas à l'utiliser. Sans plus tarder les gars, on va passer à la vidéo. J'espère que ça va vous faire plaisir. Alors les gars, j'ai besoin que vous soyez concentrés du début à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Comme vous le savez, cette saison est sur le thème des héros, plus précisément sur les héros de Marvel. Et en fait, ils sont en train de préparer le combat contre Galactus. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que Tony Stark est en train de prendre le contrôle de toute la map. Il a déjà fait venir sur la map Stark Industries grâce à un énorme dispositif de machine à faille qui au final ont ramené Stark Industries et lui ont permis de faire encore plus de choses sur la map. Là, actuellement, il est en train de modifier le bus de combat. Je pense que c'est soit pour amener plus de monde dans le combat contre Galactus, ou soit pour faire autre chose. On en reparlera dans une autre vidéo théorie, c'est pas le sujet de cette vidéo. En tout cas, tout ce qu'on sait, c'est que Stark Industries et Tony Stark sont en train de prendre une place énorme dans le jeu. Et comme vous le savez, Stark Industries, c'est avant tout de la technologie du futur. On voit qu'ils ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Par exemple, il suffit juste de voir les armes qu'on peut avoir à Stark Industries. Ce sont des canons à énergie qui lancent des sortes de faisceaux laser. Donc on voit que c'est de l'énergie et c'est des technologies du futur. Et mettez ça dans un coin de votre tête parce qu'on va en reparler. Donc comme vous le savez, cette saison va durer jusqu'au 30 novembre. On peut dire que l'événement donc de cette saison, ce sera le combat contre Galactus. Et que du coup, Stark Industries va équiper et aider tous les héros de Marvel à combattre Galactus. Ça, c'est vraiment la base. Je pense que c'est vraiment logique que l'on puisse penser ça. Que le combat final sera tous les héros de Marvel contre Galactus. Et que Stark Industries va jouer un rôle super important dans le combat contre Galactus. Et on sait tous que la fin de saison, c'est le 30 novembre. 30 novembre, comme l'a dit Fortnite, ce sera la fin de la saison. Normalement, s'il n'y a pas de décalage. Le truc, c'est que beaucoup l'ont oublié, mais Fortnite nous a annoncé un pack qui devrait sortir 2 semaines avant la fin de la saison. 2 semaines avant la fin de la saison, on aura un nouveau pack qui arrivera sur Fortnite, qui s'appellera le dernier. Il contiendra le Joker, un autre skin, mais le plus important, c'est que dans ce pack, il y a Midas Rex. En fait, c'est Midas qui a été réparé et qui fait son retour. Comme vous le savez, Midas a eu un rôle super important dans la saison 2 de Fortnite. Son plan était tout simplement de détruire la zone sur Fortnite et de tout simplement foutre le bordel sur la map. Au final, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que sa machine n'était pas au point. Midas a réussi à créer une machine qui peut détruire la tempête, mais il n'avait pas les compétences requises pour créer une machine qui marche sans problème. Et au final, la machine s'est détruite et Midas a échoué dans son plan de détruire la tempête. Le truc, c'est que Fortnite nous a annoncé que le pack avec Midas Rex allait arriver le 17 novembre, 2 mois, même voire 3 mois à l'avance. Pourquoi nous annoncer un pack qui est censé sortir dans 3 mois à l'avance comme ça? Et bien en fait, moi je pense que c'est pour nous teaser la saison 5. Je vous allais dire que c'est trop tôt, mais moi je pense que c'est pour nous teaser le début de la saison 5. En fin de saison 4, on va avoir le combat contre Galactus. Et les héros vont gagner. Les héros gagnent toujours. Donc du coup, les héros vont gagner contre Galactus et les héros vont partir de la map. Le truc, c'est que Iron Man ne va pas repartir avec tout ce qu'il a fait sur la map. Il va laisser les technologies qu'il a utilisées sur la map de Fortnite. Et du coup, Midas va récupérer les technologies de Tony Stark, va les étudier et va les utiliser pour améliorer la machine de l'apocalypse et la recréer et réessayer de détruire la simulation de Fortnite. Parce que comme vous le savez, Tony Stark est très intelligent et il peut créer des technologies juste incroyables. Et c'était le seul défaut de Midas. C'est-à-dire que le défaut de Midas, c'est qu'il n'est pas intelligent comme Tony Stark et il ne peut pas utiliser des technologies si puissantes. Donc du coup, la solution, ce serait que quand Tony Stark et tous les héros vont partir de la map quand ils auront battu Galactus, Midas va faire son retour sous la forme Midas Rex et va utiliser les technologies qu'aura laissé derrière lui Tony Stark pour améliorer la machine de l'apocalypse et réessayer de détruire la simulation et la tempête sur Fortnite. Et c'est ça qui devrait se passer dans la nouvelle saison qui sera la saison 5. En saison 5, je pense que Midas aura son retour en tant que gros boss de la map et ce sera lui le personnage principal et il va réessayer de faire son plan pour détruire la simulation sur Fortnite. Et ce serait logique que Fortnite nous a annoncé à l'avance que Midas va revenir pour nous teaser que dans la prochaine saison, ce sera Midas qui fera son grand retour et qui réessayera de détruire la simulation mais d'une manière totalement différente. Du coup la famille, dites-moi ce que vous en pensez de cette théorie dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous aimez la chaîne, le délire de faire des théories, etc., n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Sur ce, nous, on se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.